Hello, Pat Fitness de la vérité, welcome, j'espère que vous portez bien, tranquille. Aujourd'hui, ce soir, je viens de sortir il y a 10 minutes de la salle, en plus ça caille un peu les couilles. Donc, on arrive à la salle, on a discuté, on a rempli nos checkers pour s'hydrater pendant la séance. Donc, on est arrivé à la queue leu-leu. À la queue leu-leu. Tous les mauvaises heures, on a rangé les sacs dans les casiers, bref, grosso modo. Donc, bon, Brahms, Nesfit et Batman Fitness, un des trois, arrivé comme par hasard, le siège, il est parti en couille avec tous les chacals de merde. Les gars, je vous dis la même chose. Hey, Vecton, filme-le ce mec. Vecton à la Vegas. Ouais. Donc, on est arrivé, on a fait une séance. Donc, tellement, tu sais, d'habitude, on rigole tellement le sourire qu'a. On a été ignoré par des chacals. Ça a l'impression qu'il y avait tous les chacals. T'as l'impression qu'il y avait tous les chacals qui nous regardaient comme des troupeaux de moutons. Bah, monsieur Batman, qu'est-ce que tu penses de Thibaut Inchep? Thibaut Inchep, de toute façon, c'est tous des piqués. En exclusivité, vous allez voir. Attention, le radar. Vous allez voir chez Batman, il va nous montrer où c'est qu'il va tourner son nouveau film là-bas. Batman, tu peux nous montrer là-bas, vers la grille blanche là-bas. Les chacals. Mets-toi vers la vitrine. Il y a la lumière. Batman, tu veux nous montrer où c'est que tu vas tourner ton nouveau film? Dès que les sacs là, parce qu'il y a des problèmes. Batman, voilà. Qu'est-ce que tu penses? On va te parler de chaque youtubeur. Qu'est-ce que tu penses de Maître Cal? Qu'est-ce que tu penses de Maître Cal, ouais? Un copieur. Copieur? C'est tout. Tu l'aimes bien, ce youtubeur? Est-ce qu'il est, il a de la masse? Il a de la masse? Walou. Il manque de quoi? Il manque. Franchement, il manque beaucoup de pecs et il a pas assez d'épaules. Ah, je trouve qu'il a des bons pecs, mais c'est les épaules qui manquent. Tu veux faire passer un message à Maître Cal? Regarde la caméra, vas-y. Maître Cal, je vais te caler des petits. Mais on t'aime bien, Maître Cal. Ah, on t'aime bien. Parce que t'es naturel. Donc, Maître Cal, tu vas t'acheter ça. Dans la boutique, une série de 3 casseroles à 129 balles. Et qu'est-ce que tu penses de Body Time? Ah, vas-y, c'est de la merde avec le programme Apollo. Ah, Apollo, c'est vraiment des programmes de merde. Qu'est-ce que tu penses de James Corden? James Corden, c'est un piqué aux États-Unis, il se fait fournir par les médecins, par les biologistes là. T'inquiète pas, c'est quelqu'un qui monte dans un laboratoire à New York ou dans le sud des États-Unis. Tu peux nous en dire plus sur James Corden, Batman? Est-ce que James Corden est naturel? Non. Est-ce que James Corden Il a une petite boule là, une petite boule de pu. Tu peux nous dire le salaire de James Corden, s'il te plaît? Ouais, je connais pas son salaire. Bah tu peux nous dire à peu près. Je sais que t'as des sources, monsieur Batman. On va dire quoi, 60 000 euros, sur 60 000, il y a 20 000 euros par halal. D'accord. C'est qui les youtubeurs que tu respectes vraiment, que t'aimes bien? Moi j'aime bien Joe Biscuit de Terre. Ouais. Mike Fight Training. Ouais. Le Marseillais. D'accord, donc James Corden Z gagne 60 000 euros par mois. Et sur les 60 000 euros, il y a 20 000 euros par halal. D'accord. Ah. Et Ashton, t'aimes bien? Ashton, moi j'aime bien cette équipe-là. Mehdi Daoud, Yaya, Kiki. C'est des bons. C'est des bons, ils critiquent. Tu voudrais faire une vidéo avec eux ou pas? Bien sûr. Lance un message là. Ashton, Mehdi Daoud, Psartek, la masse musculaire. Psartek, la classe. Même si tu te piques, Psartek. Wallah, même si tu te piques, Psartek. Vous êtes sur Batman Fitness. Au revoir. Je vous dis, sur ce, à bientôt. I wanna to biceps.